Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, l'association des consommateurs du Burundi trouve que malgré la baisse des prix et des produits pétroliers au marché international, la revue à la baisse d'une somme compris entre 100 et 200 francs burundais sur le prix du litre d'essence et du gazoil ne peut pas influencer la revue à la baisse des prix des autres produits nécessaires pour la population. Et les usagers de la route nationale numéro 9, Bujumbura-Bubanza, se plaignent de l'impraticabilité de cette route. Ils demandent aux autorités habilitées de tout faire pour sa réhabilitation. Les détails après une courte pause. Encore une fois, bienvenue. La revue à la baisse d'une somme comprise entre 100 et 200 francs burundais sur le prix du litre d'essence et du gazoil ne peut pas influencer la revue à la baisse des prix, dont celui du transport en commun. Avis de l'Association des consommateurs du Burundi, une semaine après la revue à la baisse du prix du carburant, se référant à la baisse des prix de ce produit au marché international. Pierre Ndouaïo, président de l'association Abuko, apprécie cependant la mise en application de cette promesse par le gouvernement. Il appelle ce dernier à œuvrer et dans la même voie chaque fois que de besoin. La récente diminution des prix à la pompe de carburant est une mesure que nous avons accueillie avec un soulagement, bien que le niveau de baisse n'est pas du tout très très important. Tenez-vous que 200 francs par litre, c'est très peu, et de façon que ça ne va pas du tout avoir une incidence positive sur les prix, sur les marchés, et surtout les biens et services qui avaient vu leur prix augmenter. Et au mois de juillet, quand le gouvernement a revu à la hausse dans des proportions vraiment très très grandes, de plus de 1000 francs par litre, ce qui avait impacté négativement les prix des transports des biens et des services, mais aussi les prix de trade d'arrêt sur le marché. Mais au niveau de la Boko, quand même, c'est un bon espoir parce que nous voyons que le gouvernement suit de près la commercialisation des prix de carburant sur le plan international, ce qui nous fait dire que si demain, la chute continue à se relever, il n'y a aucun doute que le gouvernement va aussi prendre des mesures conséquentes, ce qui fait que, en tout cas, à court ou à moyen terme, ça pourra avoir des effets positifs, des retombées positives sur les prix des biens et services sur le marché. Au niveau de la Boko, ça va aussi nous permettre de suivre la situation de près et pour que, quand la situation continuera à avoir de l'embellie sur le plan international, nous allons rappeler au gouvernement de suivre la mesure qu'elle s'est fixée, de modifier chaque fois à la baisse quand les prix baissent, mais aussi modifier à la hausse quand les prix haussent sur le plan international. Plus de 30 maisons détruites et des champs de riz endommagés. Tel est le bilan des dégâts provoqués par les pluies torrentielles de ce mercredi en zone Muzinda de la commune Rugazi en province Bubanza. Le chef de cette zone fait savoir que cette situation fait suite à l'étroitesse d'une buge sur le ruisseau Nyarunzongi situé sur la route nationale numéro 9. Anissé Nyonguru demande l'intervention de l'agence routière du Burundi. Nous sommes sur le ruisseau Nyarunzongi, un ruisseau qui traverse la route nationale numéro 9. Comme vous le voyez, il a causé des dégâts suite à la pluie, je dirais torrentielle, qui est tombée mercredi, précisément dans les heures de 15h30 à 16h. Cette pluie a pu causer beaucoup de dégâts, à savoir des champs de culture de riz qui ont été endommagés par ce ruisseau. Et aussi, et suite à ce pluie torrentielle, il y a aussi des sous-collines dans lesquelles on nous a informé qu'il y a des maisons endommagées par ce pluie. Comme effectif total que nous avons eu maintenant, c'est 35 maisons. Alors, les habitants de ces maisons, nous avons essayé de demander
aux voisins pour qu'ils aident le logement, afin d'attendre comment les aider pour se retourner dans leur ménage. Avec la population, nous essayons dans les travaux communautaires, mais comme vous le voyez, nous faisons les travaux communautaires pour tirer sur rivière. Mais à un certain moment, si le puits tombe, automatiquement, ça bouche sort encore. Nous demandons une aide à travers la ARB pour qu'ils nous aident avec une machine pour mieux tirer. Je vous le disais dans les titres, la partie de la route nationale numéro 9, Bujumbura-Bubanza, à partir de l'endroit communément appelé main-d'œuvre et plan de nid de poule. Les usagers déplorent que même la carrière qui avait été déposée contribue à rendre la route presque impraticable pendant la pluie. Ils demandent à la direction en charge de la construction des routes de faire tout ce qui est possible pour la réhabilitation de cette route. Omer Ndouaille. Sur la route nationale numéro 9, le tronçon débutant l'endroit communément appelé Mandœuvre jusqu'à la rivière Gikoma vers Bubanza, on y aperçoit des tas de carrières qu'on y a déposées pour aider au débouchage des nids de poules qui menacent ce tronçon. Cette carrière paralyse la circulation, se lamentent les usagers de cette route. C'est cette carrière qu'on a déposée ici qui menace la route. Quand il pleut, les nids de poules sont pleins d'eau. La carrière se transforme en boue et la route devient glissante. Le débouchement des nids de poules ne dure pas longtemps. Lorsque la pluie tombe, la circulation est paralysée. Nous qui transportons le lait sur des bicyclettes sommes très inquiets. C'est cette carrière qu'on a déposée dans la route qui est à la base de ces menaces. Sinon, auparavant, on ne se heurtait jamais à la boue. Il plaide pour la réhabilitation de cette route. La réhabilitation de cette route serait priorisée pour nous faciliter le passage. La carrière est entassée dans le tronçon qui est entre le marché du Kotebu et la rivière Gikoma. Nous sommes parfois informés que le gouvernement va bientôt réhabiliter cette route. Nous restons en attente. Nous demandons que les travaux de réhabilitation soient programmés d'urgence. Face à cette situation, les différentes autorités publiques parlent déjà du projet de contournement de la route nationale numéro 1 à la route nationale numéro 9, dans lequel se trouve cette partie délabrée. À cet effet, le budget général de l'État, exercice 2023-2024, prévoit un montant de 3 milliards et 50 millions pour les travaux de ce contournement déjà en cours à partir de la jonction de l'endroit communément appelé Kwamuswahili. Avant de clore ce journal à la page santé, le diabète est une maladie chronique silencieuse, raison pour laquelle il faut se faire dépister régulièrement. L'appel est du docteur David Ndziruvusa, adjoint du directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles ce samedi lors d'un dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension. Ceux qui ont répondu présents apprécient positivement cette activité qui les renseigne sur leur état de santé. Plus de détails avec Mireille Kanyang. Gorette a 58 ans, son mari Elmene Gilda en a 61. Ce couple s'est rendu ce samedi au jardin public de Bujumbura et c'est dans l'objectif de voir leur état de santé, dit le mari. Les maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, sont des maladies qui attaquent souvent les gens à notre âge. C'est pour cela que on fait souvent du sport, d'abord pour la prévention, et puis de temps en temps, on fait le check-up pour voir si la santé est toujours normale ou si nous tendons vers la maladie. Comme ça, on prévoit avant que la maladie nous attaque. Méthode Césirahiga a lui aussi fait le déplacement. Il est diabétique. Il appelle d'autres qui n'ont pas encore cette maladie à se faire dépister régulièrement. Je suis venu pour voir
à quel niveau mon diabète se retrouve. Les résultats, je viens d'apprendre que le chiffre est 12 et pour moi c'est beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore diabétiques, surtout ceux qui ont un âge avancé, je leur conseillerais de se faire dépister régulièrement pour que s'ils apprennent que les chiffres sont élevés, ils puissent prendre des précautions, notamment la régularité de sport, notamment abandonner ou réduire la quantité de certains aliments qui peuvent compliquer les choses, mais aussi commencer à prendre les médicaments au besoin. Du côté du ministère de la Santé, qui a organisé ce dépistage communautaire du diabète et de l'hypertension artérielle, Dr David Nziroubusa, adjoint du directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques et non transmissibles, rappelle que le diabète est une maladie qui tue silencieusement. Le diabète, c'est une maladie qui fait tellement peur. Déjà, c'est une maladie qui existe. Et puis alors, on a pensé organiser cette journée aussi pour aussi sensibiliser la population. Donc c'est une maladie silencieuse qui tue silencieusement. Et puis si la maladie est diagnostiquée précocement, donc ça limite les dégâts. Les médicaments contre le diabète sont disponibles dans les districts sanitaires, précise-t-il. Des médicaments. Donc le Burundi, donc le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a pris en compte aussi ça aussi. Donc les médicaments sont disponibles. Donc les insulines sont gratuites. Et puis les médecins chefs de district viennent réquisitionner ces insulines à la Kamebu comme ils réquisitionnent les autres médicaments. Donc dans les pharmacies de district et dans les donc ces médicaments de lutte contre le diabète, de traitement, ils sont disponibles. Au cours de l'année passée, le directeur de ce programme national a fait savoir que le diabète est la troisième cause d'hospitalisation et 30% des amputations qui se font sont liées à cette maladie. Il a en outre fait savoir qu'il y avait recrudescence des cas de diabète chez les jeunes de moins de 25 ans où 923 enfants étaient assistés par ce programme. Cela étant, le 14 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée de lutte contre le diabète au Burundi et sera célébré mardi en province Muyinga. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro et bon week-end.